Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve avec vous pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo haul. Il y a plein de trucs que j'ai reçus, quelques petits trucs que j'ai achetés. Et du coup, sans plus tarder, je vais commencer parce que sinon, comme d'habitude, cette vidéo va durer une éternité. Ne faites pas attention, j'ai trop bronzé hier, du coup je suis toute rouge, j'ai même pas mis le fond de teint. Oh là là, ça pique un petit peu, mais bon, ça va. Alors tout d'abord, pendant les soldes, parce que là c'est fini, mais bon, je vais vous montrer quand même qu'est-ce que j'ai acheté presque les derniers jours de soldes. Chez H&M, en fait, j'ai acheté trois petits trucs que je vais vous montrer. Vraiment, j'étais choquée du prix et vous allez voir. Alors tout d'abord, j'ai acheté une petite chemise qui avec les manches assez courtes, mais... comme elle est oversize, du coup les manches ils vont tomber un petit peu comme ça. Alors, à la base, elle a coûté 24,99€, mais je l'ai payé les gars 2,99€. J'étais choquée vraiment du solde. J'étais vraiment choquée. J'ai pris la taille qui est la plus grande, c'est la taille 46. Parce que justement j'aimerais bien qu'elle soit bien large. La matière elle est super agréable, super légère. Du coup je compte la nouer un petit peu comme ça, mettre un petit débardeur ou quelque chose ou rien du tout au dessus. Et je me suis dit en vacances, même pour sortir vite fait, elle est super légère, super agréable à porter, ça va passer nickel. Ensuite je me suis acheté une veste de tailleur super simple, vraiment les plus classiques que ça peut être. Alors à la base elle a coûté 29,99€, mais je l'ai payé 9,99€. Vraiment j'étais pareil choquée, c'est la veste noire de tailleur, tout le monde a besoin. Vraiment ça passe avec tout, vous pouvez la mettre même avec des baskets pour casser un petit peu du style, avec un débardeur blanc par exemple. Vraiment je trouve ça c'est le must have de tout le monde. Du coup voilà, c'est la veste de tailleur hyper simple avec des poches et tout, mais elle est vraiment bien taillée. Je trouve que les manches ils sont assez serrés, du coup vraiment pour ce prix là on va pas se priver. Et pour finir je me suis acheté un trench pareil de chez H&M. À la base il a coûté 59,99€ et je l'ai payé 19,99€. Vraiment le prix, bonjour merci. Quand je l'ai vu je me suis dit mais c'est super bien. C'est un trench de couleur noire, hyper simple, vraiment tout ce qui est les plus basiques. Mais en fait on a toujours besoin. Et j'ai déjà un trench mais qui est assez long, il passe au-dessous de genoux, plus long que genou. Et celui-là en fait il est un tout petit peu plus court, du coup en mi-cuisse quoi. Et du coup cette longueur il me va super bien. Et vous pouvez le marquer la taille avec des avec la ceinture, les petits boutons ils sont un petit peu comme ça, je sais pas comment on dit, mais c'est hyper tendance maintenant ce truc là, les boucles d'oreilles tout. Maintenant vous savez si vous savez pas encore. Et le prix, justement, le prix 19,99€. Derrière, il y a les petits détails aussi. Franchement, j'étais super contente. Au niveau des manches aussi, il y a les petits détails, pareil, de même motif. J'étais vraiment très contente. Il me va super bien. Et pour ce prix-là, franchement. Alors là, on a fini avec H&M. Je suis vraiment très très rouge. Hein. Mais bon, ça va être marron et je vais être très très belle. Voilà, les petits instants, je me rassure. Alors, Rose Gall, ils m'ont envoyé plein de petits trucs super sympas. Je vais vous montrer ça tout de suite parce qu'il y en a vraiment pas mal. Alors, tout d'abord, vous connaissez ma maladie de sac, si on peut l'appeler comme ça. Parce que franchement, j'ai besoin toujours de sacs. J'adore ça vraiment. Je suis une grande collectionneuse des sacs. Et là, les sacs en losier un petit peu, c'est super tendance. Et je me suis dit, et ben, quand j'ai vu sur le site, je me suis dit, bah tiens, il me faut ça absolument. Du coup, j'ai choisi 3 sacs et 2 sacs sont en losier comme ça. Le premier sac, franchement, je pensais qu'il va être un petit peu plus grand quand même. Mais bon, il est quand même sympa. Il y a des petits détails comme ça, les petits bandouilles comme ça. Les manches sont en simili cuir. En intérieur, vous avez le petit, petite sacoche comme ça où vous pouvez mettre toutes vos affaires et ils s'enlèvent. Du coup, vous pouvez porter comme ça. Sinon, pour protéger un petit peu vos affaires, vous pouvez serrer et c'est comme ça du coup. Et vous pouvez aussi porter en bandoulière comme ça.
pareil, la couleur marron foncé avec cette couleur losier clair là, ça se marie super bien. Vraiment, j'adore ce petit sac. Je ne l'ai pas porté pour l'instant. J'ai porté un autre que je vais vous montrer là. Il y a déjà plein d'affaires. Mais je l'ai trouvé super mignon. Et du coup, voilà. Tous les liens, je vais vous mettre en barre d'infos. N'hésitez pas à checker parce que de temps en temps, il y a des promos vraiment de ouf. Et le deuxième sac, celui dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celui-là. C'est celui que je porte maintenant chaque jour au travail. Je trouve qu'il se marie super bien avec tous les tenues parce que c'est très été, très estival. En plus, c'est le mélange en fait de trucs dorés et de trucs qui est pas doré du coup, mais qui est au losier comme ça. Il y a le petit bouton, du coup vous pouvez fermer votre sac comme ça. C'est beaucoup trop mignon. Là, c'est pas réglable, mais c'est la longueur qui est juste géniale, au top du top. Et le sac, il se ferme en fait, ce qu'on adore, parce que franchement, dans le transport en commun et tout ça, où il y a beaucoup de monde, c'est un petit peu risqué, surtout à Paris. Et du coup, voilà, j'adore ce petit sac, je le trouve super mignon et vraiment, vous pouvez mettre plein de trucs dedans. J'adore. Et le troisième et dernier sac, en fait, c'est ce sac-là. Il est un petit peu bizarre. Je sais qu'il va pas plaire à tout le monde. Mais franchement, je me suis dit, des fois, il faut sortir de l'ordinaire, sortir de nos habitudes. Et j'ai pris ce petit sac vert. Il est bien vert. À la caméra, il est presque vert pétillon, mais c'est pas comme ça. Il est vert sapin, voilà. Et il y a le petit truc, genre le petit dessin, il me rappelle Karl Lagerfeld un petit peu. Du coup, je trouvais ça super sympa. Les trucs sont bien protégés, du coup, pour l'instant, j'enlève pas parce que je compte pas forcément porter cet été. Plutôt automne, hiver, je pense. Avec un manteau, ça va passer super bien. Du coup, les manches là, elles sont bien protégées. Ça se ferme et la fermeture, elle est vraiment de bonne qualité. En intérieur, il y a des bandoulières comme ça. Du coup, vous pouvez porter soit à l'épaule, soit à la main comme ça. Je le trouvais beaucoup trop mignon. Je sais pas. Je l'aime trop ce petit sac. Il est très grand. Et je suis sûre que je pourrais mettre tout mon bordel en intérieur. Vraiment, j'aime beaucoup et je le trouve super original. Ensuite, de chez Rose Gall, j'ai reçu une petite robe comme ça qui est beaucoup trop mignonne. La matière, elle est très agréable, très fluide. Cette robe, il m'arrive jusqu'au genou. Du coup, comme je fais 1m65, si vous êtes plus grand, ça va pas vous arriver jusqu'au genou. Mais jusqu'au genou, jusqu'aux chevilles, n'importe quoi, franchement. Alors, j'ai pris la taille XL. Ça correspond à la taille 14 normale en fait. Du coup, il y a des petites fentes comme ça au milieu, mais ça monte pas très haut. Du coup, on va pas avoir vos cuisses. C'est super bien. Les petits trucs là, ils sont réglables. Du coup, comme moi je suis petite, c'est super bien de régler et ça me sert vraiment. Et là, vous avez des petites manches. Du coup, c'est comme ça, ça fait des épaules dénudées un petit peu. Je trouvais ça super mignon. Je le vois pas forcément porter quand on se promène à Paris ou quoi que ce soit. Mais en vacances, je pense que ça va bien me servir et j'ai hâte de la prendre en vacances. En plus, il y a une petite ceinture, vous pouvez serrer à la taille et ça cache un petit peu ce petit truc, petit truc au milieu là, et du coup ça fait trop mignon et j'ai hâte de la porter. Vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite, je me suis pris un petit maillot de bain, comme quoi j'ai pas assez, mais les filles, on a jamais assez en fait. Et du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, bah tiens, le simple noir comme ça et avec des petits trucs blancs là, j'ai pas, et j'ai trouvé ça super classe en fait. Je sais pas. Et du coup, vous le mettez comme ça, du coup, et ça vous fait un beau décolleté. Je trouvais ça super mignon. Et c'est croisé un petit peu, ça fait un petit peu cache-cœur. Et c'est bien flatteur pour la morphologie en fait. Derrière, c'est pas super ouvert, du coup, voilà, c'est super bien. J'ai peur que ça va être un petit peu trop échancré, mais bon, ça va, on est en été, bord de la mer, ça va. Et du coup voilà, je l'ai trouvé beaucoup trop mignon, ce petit maillot de bain. J'ai hâte de le porter, j'ai hâte de partir en vacances tout simple. Alors au niveau des accessoires, j'ai reçu quelques petits trucs. Tout d'abord, je voulais vous montrer vraiment pour le cadeau, ça peut vous servir. Vous recevez la petite montre qui est en intérieur dans une petite boîte beaucoup trop choupinette. Vous mettez un petit nœud et c'est fait en fait, le packaging est fait. En intérieur, il se présente comme ça, cette petite montre. Je l'adorais vraiment.
J'ai déjà commandé de leur site les montres de cette matière-là, je vais vous montrer. Voilà, c'est les montres comme ça en fait. Ils sont simples mais super classe en même temps. Du coup, j'ai adoré cette matière un petit peu chêne, c'est pas chêne, mais je sais pas comment vous expliquer, vous voyez à la caméra. Mais vraiment, ça se porte super bien. Quand vous transpirez un petit peu, surtout là quand il fait super chaud, ça se noircit pas et du coup, ça reste pareil. Et pour les prix bien abordables. En intérieur, il n'y a pas de marque ni rien du tout. Ma montre que j'ai déjà en intérieur, c'est un petit peu marbre. Là, j'ai choisi noir mat un petit peu. C'est super classe. Vraiment, vous pouvez régler les trucs. Du coup, pas besoin d'aller chez le monsieur qui fait les montres. Je ne sais pas comment on appelle ça. Horloger, je crois. Et du coup, vraiment, je l'ai trouvé super sympa. En plus, c'est unisex. Si vous avez un copain, offrir un cadeau, ça peut passer pour les mecs aussi. Vous pouvez régler les trucs super cool. J'ai adoré, vraiment, j'ai hâte de le porter. Mais pour l'instant, j'ai un autre, du coup, je vais échanger un petit peu. Ensuite, je me suis commandé quelques boucles d'oreilles, deux paires de boucles d'oreilles. Alors, la première paire, c'est cette paire-là. En fait, sur le site, au début, j'ai pensé que ça va être un petit peu bien plus petit, deux fois plus petit. Et je me suis dit, avec le petit tenue d'été, ça peut passer nickel. Sauf que là, c'est beaucoup trop grand, en fait. Je me vois pas... je sais pas. Je trouve ça super grand. Et du coup, si vous voulez, je peux la offrir à quelqu'un d'entre vous parce que je la trouve vraiment très très grande. J'aime bien la motif et tous les couleurs, mais je trouve ça trop grand, du coup. Voilà, si vous la voulez, dites-moi en commentaire. Alors, la deuxième paire de boucles d'oreilles, elle est toute simple, mais en même temps très très classe. J'ai adoré vraiment. En fait, vous mettez... Voilà, elle est double sens, comme ça. Vous mettez ce truc qui est plus long derrière votre lobe, je crois que ça s'appelle comme ça. Et vous mettez les trucs en intérieur, du coup, ça fait un double embout. Et c'est beaucoup trop joli, c'est inspiration Chanel un petit peu. Mais il y a des petits diamants comme ça pour une petite soirée ou pour un mariage. C'est un petit quelque chose, mais ça passe pas inaperçu. Du coup, voilà, j'adore. J'adore vraiment, j'ai hâte de le porter. Mais c'est sûr que c'est pas pour tous les jours hein, qu'on va porter ce genre de boucle d'oreille. Mais j'aime trop. Ensuite, un autre bijou que je me suis commandé, c'est cette chaîne qui est double chaîne en fait. C'est super tendance en ce moment, ce type de chaîne. Un petit peu médaillon comme ça. Ça veut rien dire, mais bon, je trouvais ça super sympa. Toujours argenté parce que doré, c'est pas trop mon délire. Et du coup, la première chaîne, c'est genre une petite couronne, trop mignonne. Et l'autre truc, c'est un médaillon. Du coup, ça pendouille comme ça. Et je trouvais ça trop mignon avec des petites tenues. Je trouvais ça trop mignon. J'aime trop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Et là, les gars, c'est vraiment mon coup de cœur de cette commande, en fait, de chez Rose Gall. D'ailleurs, tous les liens, n'hésitez pas, je vais mettre en barre d'infos. Si vous aimez quelque chose, n'hésitez pas à checker. Franchement, là, vous connaissez maintenant la mode de lunettes un petit peu matrix, un petit peu futuriste et tout. Mais je me suis dit, je sais pas si ça va m'aller et tout. Et du coup, quand Rose Gall m'a proposé le partenariat, je me suis dit, bah, c'est super l'occasion. Parce que j'ai vu ces lunettes sur leur site, je me suis dit, ben, c'est ce qui est de super tendance en ce moment. Et je veux bien essayer. Du coup, j'ai commandé ces lunettes de soleil là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime trop. C'est sûr que on peut pas sortir chaque jour, quoique oui, mais je veux dire, moi je veux pas sortir chaque jour avec ces lunettes, genre pour aller faire des courses et tout, parce que voilà, c'est un petit peu extravagant, mais je les trouve juste splendides ces lunettes. Pour les petites sessions photo et tout... Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un petit peu bizarre quand même. Rémi, il aime pas du tout par exemple. Mais moi je trouve ça sort d'ordinaire en fait. C'est super joli. Genre là c'est un petit peu coupé. C'est genre le verre là. Et là en bas c'est du plastique. Mais c'est la bonne qualité. Vraiment ça sent que c'est solide. Et vraiment comme j'ai le visage assez large, slave, voilà. Et du coup les lunettes là elles sont bien larges. Du coup je les aime trop. Je sais pas. Je surkiffe, j'aime beaucoup. Ensuite, de la marque Songmix. De toute façon, je vais mettre pareil en barre d'infos. N'hésitez pas à checker. J'ai reçu ce petit rangement de maquillage qui est beaucoup trop choupinette. Quand on a reçu, Rémi, il a dit on dirait un truc de poupée. C'est vrai, mais nous les filles, on aime bien tout ce qui est mignon. Je sais pas. Du coup, sur leur site, d'ailleurs, ils vont leur e-shop, c'est sur Amazon.
Ils vendent des petits rangements vraiment transparents, noirs, vous pouvez trouver selon votre goût en fait, selon vos goûts plutôt. Alors là, j'ai choisi ce rangement blanc en fait. En intérieur, vous avez des petits, des petits tapis. Et du coup, c'est super bien de déposer vos maquillages ou vos bijoux. Ça va pas glisser à gauche à droite. Ça s'attrape en fait, c'est super cool. Il y a deux grands tiroirs comme ça, deux petits plutôt pour les bijoux, je pense. Et là, pour rouge à lèvres ou pour vos palettes, là vous pouvez mettre les palettes et tout. Ça s'enlève, du coup vous pouvez empiler plusieurs rangements comme ça. Je trouvais ça super mignon et vraiment c'est la bonne qualité. C'est en plastique mais c'est la bonne qualité. Le truc il est assez grand quand même et vous pouvez ranger plein de petits trucs, vraiment je valide. D'ailleurs, tant que j'ai pas oublié, je suis allée voir Mission Impossible qui est actuellement au cinéma. Vraiment, j'ai adoré ce film, sauf les 30 dernières minutes. C'est vrai que ça devient vraiment, vraiment Mission Impossible. Avec Rémi, on s'est regardé, on s'est dit, bon, ben, c'était bien, mais à la fin, c'était trop en fait. C'était trop un truc improbable. Et en plus, moi qui cherche toujours raison de tout en fait. C'était à la fin, c'était un petit peu trop, mais sinon vraiment j'ai adoré, surtout la partie à Paris quand tu reconnais les endroits et tout, c'est super agréable quand même. Et le film est assez bien fait vraiment. Et du coup j'ai reçu l'invitation pour deux personnes, d'ailleurs je vous ai partagé ça sur Instagram, sur mes stories Instagram, n'hésitez pas à me suivre d'ailleurs. Alors j'ai reçu l'invitation pour deux personnes, on est allé avec Rémi bien sûr. Et du coup voilà, c'est grâce à Paramount Pictures France. Et je vous remercie beaucoup. Et grâce au site AdMingle aussi, je vous mets en barre d'infos. Merci beaucoup les gars, c'était trop gentil de votre part, merci. Ensuite pour finir en fait, j'ai reçu un lisseur de cheveux que je vais vous montrer là, mais de la marque Intay. Comme vous pouvez voir juste là, c'est un lisseur de cheveux en céramique. Et cette marque en fait, ce lisseur vous pouvez trouver sur Amazon. Ils étaient trop gentils, ils m'ont envoyé leur lisseur pour essayer, pour vous en parler en fait. En intérieur, désolé, je mets sur la table. Alors en intérieur vous pouvez trouver deux petites pinces comme ça qui sont super forts quand même. Ils sont bien, ils attrapent bien et tout. Ouais, j'ai les cheveux courts et lisses déjà. Vous avez deux petites pinces comme ça, comme chez les professionnels un petit peu. Après vous avez la pochette un petit peu en velours, super cool. Où là vous pouvez mettre votre sèche-cheveux, n'importe quoi, votre lisseur. Il les sort, il est beaucoup trop mignon. Le couleur comme ça, marron, beige, top un petit peu, j'adore vraiment, ça sort de l'ordinaire. Le truc là, lisseur, vous pouvez fixer, il y a des petits trucs pour fixer. Du coup, si vous pouvez qu'il soit fermé, juste il faut le fixer, c'est tout. Alors là, ça s'allume, il y a la température qui s'affiche. Là, il y a plus, moins, vous pouvez régler la température quand vous voulez. Pour allumer, il y a un bouton aussi. Et vraiment, il est agréable en fait. Il n'est pas très lourd, mais en même temps, ça sent que c'est la qualité. Et ce qui m'a vraiment conquis chez ce lisseur, c'est qu'il est large en fait. Et quand vous prenez la mèche, en plus là, j'ai les cheveux pas très longs, vous prenez la mèche en fait, et ça prend une mèche qui est très large. Pas besoin de repasser un million de fois en fait. Et c'est ça qui m'a conquis. Alors franchement, là les trucs pour ne pas glisser, c'est super agréable. Si les trucs ils tournent, du coup ça vous en mêle pas. Le câble il est assez long, du coup si vous n'avez pas une... Bref, vous m'avez compris, vous pouvez le brancher assez loin. Du coup vraiment, je valide super bien, vraiment, les liens en barre d'infos. Voilà les amis, sur ce, je vais finir ma vidéo. Je vous fais des gros énormes bisous. Je vous dis à très très bientôt pour les nouvelles vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je vous dis à très bientôt et bisous.